Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur les nouveautés de Revit. Donc on a une nouvelle version de Revit qui est sortie en début de mois d'avril. Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont très appréciées par la communauté et par les usagers du produit, nous allons avoir quand même quelque chose d'assez intéressant, notamment au niveau de la gestion des sites topographiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Revit, c'est le logiciel phare qui est utilisé aujourd'hui dans le monde de la conception et qui est leader sur le marché du BIM. Cet outil est utilisé par les professionnels de la construction, de la conception architecturale, des études structures et tout ce qui est fluide. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à la présentation des mini-vidéos. Je vous ai préparé des mini-vidéos, donc on va les voir au fur et à mesure. La première vidéo avec laquelle je vais commencer, ça va être du coup la conversion automatique des anciens terre-pleins qu'on avait dans les versions précédentes. C'est pour ça que j'ai ouvert en fait tout simplement une maquette type qui est fournie avec le logiciel dans les versions précédentes. Donc cette maquette, vous avez certainement dû la voir, elle est même réutilisée dans notre logiciel. Donc sur cette maquette-là, on va avoir une topographie, hein, et à partir de cette topographie, on va avoir une commande qui va nous permettre de créer très rapidement, un claquement de doigts, le terrain de manière globale. Donc le solide topographique. Donc la fonctionnalité qu'on avait vu apparaître dans la version 2024, c'était la possibilité de créer du coup maintenant un solide topographique, et ce solide topographique, le voici. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant qu'on a créé notre terrain, on va en fait passer au paramètres de visibilité, taper topo pour avoir un maximum de catégories dans lesquelles il doit y avoir la partie topographie. Et on voit bien qu'il y a deux catégories, topographie et solide topographique. Une des améliorations qu'on a aujourd'hui aussi avec Revit, c'est que on va avoir du coup maintenant des catégories qui vont être mieux triées en fonction des disciplines. Donc sur infrastructure, une catégorie qui est apparue dans les dernières versions de Revit, on va avoir le solide topographique uniquement qui va apparaître, mais dans la catégorie architecture, on va avoir la topographie et le solide topographique. Donc n'hésitez pas du coup à utiliser du coup la bonne discipline quand vous allez travailler sur Revit. Pour vos projets, si vous faites principalement de l'infrastructure, vous n'aurez pas de problème, puisque en fait vous allez travailler principalement le terrain avec les solides topographiques. Pour ceux qui ont travaillé sur des projets dans les versions précédentes et qui ont utilisé du coup ont créé des terrains avec les versions précédentes, donc notamment sur l'aspect architectural, sachez que du coup votre terrain va apparaître comme une topographie, comme d'habitude en gestion de catégorie, mais non en possibilité de création de topographie. Donc vous allez du coup pouvoir continuer à les exploiter, vous les verrez apparaître ces catégories là et vous les verrez disparaître si c'est de la topographie dans une catégorie, dans une vue paramétrée infrastructure, vous ne verrez plus du coup la topographie. Ok, donc on continue. Tac, donc dans cette nouvelle fonctionnalité, je vais vous parler de tout ce qui est création de solides topographiques par face. Donc pour ce faire, en fait, pour pouvoir illustrer cette nouvelle fonctionnalité, j'ai en fait tout simplement positionné une coupole, un volume au milieu du bâtiment. Et sur ce volume-là, en fait, l'idée c'est de voir un petit peu quelles sont les possibilités qu'on a. En fait, les possibilités qu'on va avoir, ça va être assez simple, c'est qu'à partir du moment où on va récupérer un volume type, ou alors nous-mêmes, on aura construit ce volume via une insertion dynamo, avec un travail fait sur dynamo ou grasshopper, soit en fait tout simplement, nous-mêmes, on aura en fait tout simplement constitué notre volumétrie. L'idée, c'est de voir que à partir d'une face que l'on aura récupérée, qu'on va positionner sur le projet, on va pouvoir tout simplement utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la création de la solide topographique directement à partir d'une face. Donc, à partir du moment où vous allez sélectionner cette commande et que vous allez en fait demander à créer un solide topographique, vous allez voir qu'au niveau de la génération, vous allez vous retrouver du coup avec un terrain sur le volume. Donc si on déplace en fait l'un par rapport à l'autre, le volume reste en place, le terrain a repris du coup l'épiderme extérieur au niveau face finie du volume, et vous allez aussi pouvoir travailler sur l'épaisseur par la suite. Ok, je continue sur une autre fonctionnalité. Dans cette nouvelle fonctionnalité, ce qui vient juste après, c'est les outils excavés à partir de sol, toit ou solide topographique que l'on va avoir apparaître dans cette nouvelle version. Donc dans cette nouvelle version, en fait, quand vous avez sélectionné le terrain sur lequel vous voulez travailler,
il va falloir, enfin, vous allez avoir en fait des nouvelles fonctionnalités. Donc, avant d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, je vais tout simplement créer un terrain pour pouvoir illustrer la nouveauté. Donc, je vais créer en fait tout simplement une petite plateforme, donc un grand sol qui va être à moitié positionné dans le terrain qui est existant. Et une fois que ce sol va être créé, on va du coup avoir une superposition d'un sol dans d'une volumétrie, donc le solide topographique. L'idée quelque part, en fait, ça serait de vous montrer que une fois que vous avez sélectionné ce terrain-là, vous allez avoir du coup une nouvelle fonctionnalité apparaître qui s'appelle excaver. Et du coup, pour tout simplement accélérer votre processus de conception, vous allez voir qu'en fait, finalement, en sélectionnant juste les lignes extérieures, donc le périmètre du sol, vous allez pouvoir excaver automatiquement le terrain au-dessus de ce sol que vous aurez créé. Donc ça marche avec un sol, ça marche avec le toit, ça marche aussi avec un autre solide topographique. Et l'idée quelque part en fait, c'est de pouvoir gagner énormément de temps sur la création et la modification du site. Donc cette fonctionnalité est une fonctionnalité très intéressante. Je vous encourage vivement à l'utiliser et voilà. Donc je passe aussi maintenant à une autre fonctionnalité. Donc, dans cette nouvelle fonctionnalité, on va parler du coup de l'amélioration de l'outil coupe par l'outil cache. Donc, ça va être tout simplement l'outil cache qui est utilisé pour traverser les parois verticales. Là, donc, ça va être utilisé pour tout ce qui est terrain. Et pour pouvoir illustrer cette nouveauté, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement positionner quelques pignons, donc des volumes hein, qui vont présenter des petites maisons, et je vais faire exprès de les positionner en fait à mi-chemin entre un terrain droit et un terrain du coup en pente. Donc une fois que j'aurai fait ça, je vais utiliser la cage pour pouvoir en fait sélectionner du coup le périmètre d'un des pignons et du coup de pouvoir le creuser. Au final, en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est que on va voir que dans cette amélioration, en fait, on va pouvoir plus facilement creuser le terrain et d'avoir tout simplement une intégration de votre volumétrie, enfin, une nouvelle conception dans la volumétrie du terrain. OK? Donc, j'ai vu avec vous ces fonctionnalités qui ont été améliorées. Je vais vous présenter maintenant une dernière fonctionnalité qui est quand même assez intéressante. Et celle-ci va en fait tout simplement concerner tout ce qui est affichage des surfaces lissées du terrain. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement reprendre mon petit terrain. D'accord? Et donc je vais changer en fait tout simplement rapidement la texture. Et je vais simplifier le solide topographique. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous connaissez, qui vous permet en fait tout simplement de lisser le terrain. C'est une fonctionnalité qui est arrivée dans la version précédente. Et elle me permet en fait de simplifier le terrain. Donc là où je vais pouvoir aller un peu plus loin, c'est dans une des nouvelles commandes qui apparaît dans l'onglet volume ici. Et dans cet onglet-là, en fait, je vais aller dans mon petit menu déroulant modéliser le site pour pouvoir avoir mon ombrage 10 de surface topographique. Donc je vais avoir quand même un message qui va m'avertir que vous allez avoir du coup un lissage et qu'il va y avoir du coup une simplification. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on va pouvoir d'un projet à l'autre bénéficier en fait tout simplement de surfaces de terrain beaucoup plus sympas, beaucoup plus lissées et qui seront en fait intégrables dans tout ce qui est rendu sans forcément avoir trop d'aspérité. Voilà. Donc voici les nouvelles fonctionnalités que je trouve quand même assez intéressantes sur Revit 2025. D'autres nouveautés vont être présentées bientôt. Donc on vous prépare d'autres mini-vidéos sur les nouvelles fonctionnalités de Revit. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Nous allons avoir aussi un webinaire qui va arriver fin du mois. Donc du coup, le 30 avril à 11h. Et durant ce webinaire, en fait, on ira un peu plus loin. On a parlé aujourd'hui des modifications de topographie. Donc là, on ira un peu plus loin. On parlera des workflows avec les différents formats interopérables que l'on a aujourd'hui sur les projets, les améliorations que l'on a au niveau des connexions avec les plateformes collaboratives telles que Docs. On va aussi vous parler d'optimisation de performance et de programmation visuelle, les améliorations que l'on a en fait sur cette partie-là, mais aussi d'autres améliorations sur tout ce qui est l'eau structure, l'eau technique, etc. On parlera aussi de tout ce qui est documentation. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.